Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment gérer le responsive avec Elementor. Donc, pour information, sur le site sur lequel je vais vous montrer comment faire, j'utilise Elementor Pro et le thème Suki Pro, mais sachez que ce que je vais vous montrer dans ce tuto fonctionne très bien avec la version gratuite d'Elementor et avec n'importe quel thème, que ce soit en payant ou en gratuit, qui est compatible avec Elementor. Autre petite précision, petit conseil plutôt, vous allez voir que je vais utiliser une extension navigateur pour tester les différentes tailles d'écran pour visualiser mon site sur différentes tailles d'écran. Une extension navigateur, alors moi j'utilise Chrome, je vous avouerai que j'ai pas vérifié pour voir si elle existait sur toutes les tous les navigateurs, mais au pire, il doit exister un équivalent. Donc, sous Chrome, celle que j'utilise, elle s'appelle Window Resizer. Et comme vous pouvez le voir, elle vous propose de visualiser une page web dans 8 formats différents. Donc, on va du grand écran en passant par l'écran portable 13 pouces, la tablette iPad et un iPhone 5. Donc là, juste pour vous montrer le principe de fonctionnement, voilà, je suis passé à l'iPhone 5. Et donc, vous voyez qu'ici, on a notre texte qui est sur deux colonnes, ce qui sur un smartphone n'est pas forcément top. On a notre séparation qui n'est pas très jolie, et on a nos boutons qui sont décalés. Si je reviens à la taille normale, et que je repasse, on va faire un format tablette iPad, vous voyez qu'en plus mes deux vidéos ici sont décalées, c'est vraiment pas joli. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire tout cela. Avant de passer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe sous la vidéo que vous êtes en train de visionner. Ça va lui permettre de mieux ressortir dans les résultats de recherche de YouTube. Pareil, j'insiste, regardez dans la description. Alors par défaut, il y a juste ces deux premières lignes qui sont affichées, mais vous avez un plus qui s'affiche ici. Donc cliquez sur le plus pour bien voir toute la description. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que souvent on pose des questions alors que la réponse se trouve dans la description. Donc pensez à bien regarder dans la description si vous avez des questions. De la même façon, je mets les ressources que j'utilise dans le tutoriel. Donc là, je vous mettrai des liens vers Elementor Pro, vers Suki Pro. Je vous remettrai le nom de l'extension navigateur. Et en plus, vous avez d'autres ressources. Alors, sachez que j'utilise des liens affiliés pour la plupart de ces ressources. Qu'est-ce qu'un lien affilié? C'est tout simplement un lien qui, lorsque vous cliquez dessus, là, on va prendre l'exemple d'Ode Switch, hébergeur 100% français de qualité que je vous recommande vivement. Et pas uniquement parce qu'ils me donnent des sous pour parler d'eux, mais aussi et surtout parce que je suis client de longue date chez eux et je suis très satisfait de leur service. Donc ici, Archive de Switch, c'est 72 euros TTC par an par contrat d'hébergement. Il n'y a pas 36 offres, c'est ce qu'ils appellent l'offre unique. Et sachez que vous payerez exactement le même prix que vous alliez directement sur le site d'Ode Switch ou vous passiez par mon lien affilié. La seule différence, elle n'est pas pour vous, elle est pour moi. C'est-à-dire que plus vous serez nombreux à acheter votre hébergement Ode Switch en passant par mon lien affilié ou même d'autres ressources qu'un hébergement, plus je toucherai 2 euros et plus je pourrai consacrer du temps à réaliser de nouveaux tutoriels vidéo qui vous sont 100% accessibles gratuitement. Donc pensez-y, c'est peut être un bon moyen de me remercier si vous souhaitez me remercier. Si vous ne voulez pas me remercier, ben c'est pas grave, vous ne passez pas par mes liens affiliés, on n'en parle plus et basta. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps avec ça, je passe tout de suite dans le concret. Et donc, on va se rendre dans l'éditeur Elementor, donc sur notre page. Pour gagner du temps, je l'ai déjà ouvert. Et alors, je vais vous montrer le principe de fonctionnement pour adapter vos différentes créations, selon le type d'écran utilisé. Et vous allez voir, le principe est toujours le même. Donc, on va commencer par
par notre fameuse histoire de vidéo qui s'affiche mal sur tablette. Et donc, en fait, là, vous voyez que, en fait, on a trois colonnes. Donc, une colonne qui fait un peu moins de 25%, une colonne qui doit faire grosso modo 50%, et une autre colonne qui fait un peu moins de 25%. Et donc, en fait, le but du jeu, c'est que chaque colonne fasse 100%. Enfin, c'est une solution, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme ça, mais moi, c'est la solution que j'ai retenue. Alors, on va dans... Pardon, je vais peut-être un peu vite. Donc, on positionne le curseur de la souris sur Modifier colonne, donc en haut à gauche. On fait un clic droit et on clique sur Modifier colonne. Vous voyez ici que dans la mise en page, la colonne, elle fait donc 22,45%. Et vous voyez ici que vous avez une icône. Si vous passez la souris dessus, c'est indiqué Desktop. Desktop comme ordinateur de bureau. Si vous cliquez dessus, vous verrez apparaître une icône de tablette et une icône mobile. Donc, ça va vous permettre de faire les réglages selon le type d'écran. Donc, on va passer à tablette et on le passe à 100%. Vous voyez que tout de suite, ma vidéo prend 100% de la largeur. Et on va faire pareil avec nos trois colonnes. Modifier colonne, hop, 100%. Et la troisième, pareil, modifier colonne, 100%. Vous voyez qu'à partir du moment où on a travaillé sur une colonne, en mode tablette, le mode tablette reste activé pour les autres colonnes. De toute façon, vous verrez, si vous passez en mode mobile, par exemple, vous verrez tout de suite la différence d'affichage ici. Donc, ça tombe bien, là on est en mobile. Qu'est-ce que donne mon affichage, mes vidéos? Vous voyez, elles s'affichent bien, donc on n'a pas besoin d'y toucher. Par contre, le texte sur deux colonnes, ce n'est pas idéal. Donc là, je ne vais non plus dans ma colonne, mais sur mon widget. Je fais donc le clic droit, modifier éditeur de texte. Et vous voyez qu'on retrouve les mêmes symboles un peu partout. Et donc là, sur le nombre de colonnes, on va pouvoir agir selon qu'on est sur mobile ou tablette ou ordinateur de bureau. Donc on va rester sur... Alors, on va commencer par le début. On va repasser en desktop. Vous voyez que là, j'étais sur deux colonnes. Pour bien vous montrer la différence, je vais le passer en trois colonnes sur écran d'ordinateur. Ensuite, on passe au mode tablette. Donc là, je vais revenir aux deux colonnes. C'était pas trop mal. Et enfin, je passe au mode mobile. Et là, on va mettre une unique colonne pour avoir un affichage qui est quand même plus agréable. Je vais donc mettre à jour ma page. Comme ça, on va voir le résultat côté visiteur. Puisque je vous rappelle qu'ici, on est passé de 2 à 3 colonnes pour le texte. Je laisse le temps à la page de se renouveler. Voilà. Bon, niveau texte, sur trois colonnes, c'est pas choquant. Il faudra peut-être juste mettre un petit peu plus d'écart. Bon, je ne vais pas aller dans le fond des détails dans cette vidéo parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps non plus. Mais vous montrer surtout le principe. Donc, vous avez vu, on peut ici au niveau de l'écart des colonnes. Alors, on va peut-être passer en mode... écran d'ordinateur, ça sera plus parlant. Voilà. Et donc l'écart des colonnes. Voilà. Vous voyez que vous pouvez agir ici. Alors, vous pouvez agir en PX, en pourcentage. Alors, on va peut-être mieux agir en pourcentage. On peut que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Voilà, si ça fonctionne. Donc, on va mettre... peut-être voilà, passer à 3, je mets à jour et on va ensuite voir ce que ça donne côté visiteur. Voilà, donc vous voyez que c'est déjà plus aéré, c'est quand même plus agréable.
On pourrait peut-être encore jouer un peu, ajouter des marges autour. Mais comme je vous ai dit, on n'est pas là pour faire dans le détail sur mon site, mais c'est plutôt de vous montrer le principe. Donc le principe, vous aurez compris que c'est toujours le même. Dès qu'on voit ces petites icônes-là, ça veut dire qu'on peut agir sur le réglage selon qu'on est en affichage ordinateur, affichage tablette ou affichage smartphone. Donc là, on a vu pour écran d'ordinateur, on va voir sur tablette. Théoriquement, ça devrait reprendre le même, a priori. On n'est pas trop mal. Je vais le laisser comme ça. Je vérifierai après par moi-même. Je préfère vous montrer d'autres choses. Donc après, si on passe sur le style, vous voyez qu'ici, on a un alignement qui est par défaut à gauche. Alors, sachez que je vous recommande d'éviter au maximum d'utiliser le justifié, pardon. Parce que pour un grand nombre de personnes qui ont des problèmes de vue, ça peut compliquer la lecture. Alors, après, ça dépend sur quoi. Hein. Sur papier, ce n'est pas un problème. Hein. D'ailleurs, la plupart des livres, les journaux sont écrits en justifié. Ça passe sur papier. Par contre, sur écran, ça peut être problématique. Mais on va voir que sur petit écran, pas forcément. Donc, vous pouvez éventuellement tenter le justifié. Bon, là, sincèrement, ce n'est pas le top. Alors, je vais mettre à jour et on va voir côté visiteur ce que ça donne. Mais voilà, faut y aller avec parcimonie. Et encore, on était sur écran de tablette. Je pense que tablette, ça ne va pas le faire. Par contre, sur smartphone, pourquoi pas. Alors, la page est en train de se renouveler. Je vais passer tout de suite en mode tablette. On va gagner un peu de temps. Voilà. Bon, finalement, ça passe. Ça passe. Donc, pourquoi pas. Et si on passe en mode smartphone, que je retrouve mon Window Resizer. Donc là, vous voyez, ouais, sur smartphone, c'est quand même mieux en justifié que l'alignement en gauche. Alors, peut-être juste une petite correction à apporter, mais ça, c'est pas dû au fait que ce soit du responsive, doit être moi qui ai dû mal calibrer le texte. Il était, ouais, voilà. Vous voyez, je ne l'avais pas noté avant. Et le fait de passer en mode responsive, ça me permet de voir une petite erreur. Donc, voilà, faites des tests. Vous verrez bien. Mais vous voyez que vous pouvez agir sur différentes choses. Donc, on revient sur le style. Donc, l'alignement, vous pouvez donc faire un alignement différent selon que vous êtes sur un mobile, tablette ou ordinateur. De la même façon, on va revenir donc ici, on va revenir pardon en affichage ordinateur pour mieux voir. Souvenez-vous, notre second souci, c'était notre forme de séparation ici. Donc là, on va retourner au niveau de la section. Pardon, je vais y arriver. Donc clic droit sur la section, modifier la section. Et de mémoire, c'est dans style. Et on va trouver forme de séparation. Voilà, la forme de séparation. Donc en haut, il n'y en a pas. Et voilà, elle est en bas, la forme de séparation. Et vous voyez qu'on retrouve ici notre icône. Ici, on clique dessus. On peut passer en mode tablette. Voilà, donc en mode tablette, on va retravailler donc sur. On va peut-être laisser la largeur comme ça. Voilà, on va travailler plutôt sur la hauteur. 36, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et on va passer donc en mode smartphone cette fois-ci. Parce que vous verrez qu'en mode smartphone, voilà, il va falloir réduire également. D'ailleurs, en mode smartphone, je serais d'avis de ne pas mettre de forme de séparation. Allez, on va faire comme ça. Donc, on met à jour. On renouvelle notre page ici. On vérifie toujours ce que cela donne. Remarquez, je peux passer tout de suite en mode tablette le temps que la page se charge. Voilà.
Voilà, vous voyez quand même, c'est déjà en mode tablette, c'est tout de même mieux. Ensuite, en mode smartphone, rappelez-vous, j'ai supprimé la forme de séparation. Je crois que je suis allé trop vite. Voilà, elle est ici. Donc, ouais, c'est mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, je trouve que c'est mieux. De la même façon, on va pouvoir travailler. Je l'ai juste en face. On va pouvoir travailler sur la taille des textes. Donc là, vous voyez, je vais modifier mon titre. Et vous voyez que donc là, on a notre alignement. On va pouvoir le changer. Alors là, la typographie, ça va être un peu compliqué. Alors pour travailler sur la taille des textes, selon le type d'écran, il aurait fallu utiliser un module texte. Donc pour cela, je vais vous montrer comment faire ici, puisqu'on va modifier, voilà, la taille du texte. Bah attendez, quoi que. Alors, il faut les sous-typographies. Et vous voyez que vous retrouvez les icônes ici. Donc au niveau de la taille de la police. Donc on peut changer. Notre taille ici, donc on peut, ouais, voilà, on part de tout petit, on augmente. Voilà. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal à 15. Donc, on fait comme ça. On peut jouer sur l'espacement des lettres. Donc là, il était à 0. Donc, si on augmente, vous voyez, l'espacement des lettres qui change. Voilà, on remet à 0. On peut jouer sur la hauteur de ligne. Bon, là, on n'est pas trop mal, mais voilà. Vous voyez que là, je pense qu'on est. Bon, peut-être un peu haut. Voilà. Non, on va baisser à 1,5. Allez, on devrait être pas trop mal comme ça. Donc, vous voyez que vous pouvez agir sur pas mal de choses. Je vais quand même faire un retour en arrière sur ma zone de titre, parce que je vous ai dit une bêtise, modifier le titre. Voilà, il fallait que j'aille dans le style et pareil de la même façon dans typographie. Donc la taille, si on veut jouer sur la taille de notre texte, on va donc hop, on part de 0, pareil, voilà. Donc si vous voulez, on va faire en sorte que ça tienne sur deux lignes. Le maximum sur deux lignes. Voilà. Mettre à jour. Si je renouvelle ma page ici, va passer tout de suite en mode tablette. Alors, en mode tablette, je n'ai pas changé les textes, j'ai changé qu'au niveau mode smartphone. Voilà, je vérifie, on a bien. Donc là, on pourrait éventuellement mettre sur une ligne, vous voyez. On va le faire tout de suite. Alors, mode. Typographie. Donc là, on passe en mode tablette et on a dit qu'on voulait le mettre sur une seule ligne. On va mettre au maximum. Voilà. On va réduire à 28. Je pense qu'on va encore un peu. 27, 26. Allez hop. Mettre à jour. Donc, on va déjà voir au niveau smartphone. Voilà, qu'est-ce qu'il dit notre titre? Il était là, notre titre. Voilà, trouver ci-dessous un souffle-là près de chez vous. Alors, vous voyez, on a des différences entre la visualisation d'Elementor et la réalité. Vous voyez, si vous vous souvenez bien, j'avais fait. Donc là, on est sur mobile. J'avais mis sur deux lignes. Et en fait, ça prenait pratiquement les deux lignes. Et là, ce n'est pas le cas. Là, on arrive pratiquement sur une seule ligne. Donc, on pourrait le grossir. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer. Et c'est pour ça aussi que enfin, je vous ai parlé de l'extension Navigator Window Resizer. Parce qu'il ne faut pas toujours vous fier à ce que vous affiche l'éditeur Elementor. Donc, là, je renouvelle la page. Souvenez-vous, j'ai modifié aussi en mode tablette.
Donc on va repasser en mode tablette. Window resizer, voilà. Et donc notre titre, il doit se situer juste en dessous, là, voilà. Et vous voyez que là, on peut agrandir. Hein. Donc, je vais passer sur la mise au point de ces détails-là, parce que je vais vous montrer, sans trop vous prendre de temps, je vais repasser en taille, hop. Pardon, c'est pas ça que je voulais, c'était la typographie. On va y arriver. Typographie. Donc, on repasse en taille d'écran d'ordinateur. Ce que je veux vous montrer, c'est que, voilà, donc ici, en fait, concrètement, ce qui s'affiche ici, c'est un modèle qui est appelé dans ma page. Et je vais vous montrer qu'on peut agir de la même façon sur ces éléments-là, sur le modèle. Donc, on reste sur notre page ici. On va sur modifier le modèle. Pardon, c'est ici. Donc, clic droit, modifier publication. Donc, c'est un widget publication. Et ah oui, il faut que j'ouvre ma boucle. Donc du coup, pour cela, on retourne sur la page côté visiteur et on va dans modifier avec Elementor et on clique sur boucle de fiche. Ben, je ne voulais pas le mettre sur une autre, donc je reviens là. Et donc ça va m'ouvrir ma boucle. Alors, pour information, la boucle, je l'ai créée avec l'extension LA Custom Skins, en sachant que cette extension existe en gratuite et en payant, et la version gratuite suffit amplement pour faire ce genre de choses. Donc, vous voyez, je retrouve ici donc ma boucle que j'ai créée. Donc, on a, si vous voyez ici, donc l'image à gauche, et à droite, on a le nom, ainsi que les différentes informations, et nos deux boutons. Donc, l'image, le titre, les différentes informations et nos deux boutons. Et donc, souvenez-vous, on avait donc notre deuxième bouton qui posait problème. Non, on va pas le voir ici. Voilà, ici, qui, selon le format, on va avoir un souci. Donc, on se positionne, on fait un clic droit sur modifier. Voilà. Et comme c'est un modèle, vous voyez qu'ici, il vous propose modifier le modèle. Donc là, je vais l'ouvrir dans une nouvelle page. Alors, je vous explique pourquoi j'ai utilisé un modèle pour utiliser ça. Parce qu'en fait, c'est un bouton qui ouvre un formulaire pour modifier la fiche. Donc, du coup, on est obligé de passer par un modèle puisque le formulaire est un modèle. Donc, une fois qu'on a ouvert notre modèle, on modifie donc notre widget. C'est un seul et unique widget. Et donc là, on va aller dans « Style ». Style. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, alignement horizontal, vous voyez, centré sur... On va le centrer partout. Voilà. La typographie, on ne va pas la toucher. Couleur du texte non plus. Libellé, instruction, champ. Donc ça, c'est notre formulaire. Par contre, dans notre contenu. Voilà, notre contenu. Qu'est-ce que je voulais voir? Display, action. Je pense qu'on a fait le tour ici. Par contre, on va modifier en même temps notre colonne. On ne sait jamais. Donc, largeur de la colonne, on passe à 100%. On va faire, donc, enregistrer notre modèle. De la même façon, ici, nos deux boutons, les colonnes, on va passer chacune à 100%. Comme ça, les boutons vont s'afficher l'un au-dessus de l'autre. Donc, modifier colonne. Donc, on fait ça uniquement sur mobile. Voilà. Et par contre, on va modifier nos widgets.
parce que là vous voyez qu'ils sont collés l'un à l'autre. Donc à celui-ci, on va lui mettre un peu de marge interne. Donc modifier bouton, si on va dans avancer, et on a notre marge ici, marge interne. Donc ici, on va mettre de la marge en haut et en bas. Donc on désolidarise les quatre valeurs. Je vais mettre 10 en haut, 10 en bas. Et vous voyez, c'est sélectionné uniquement mobile. Donc si je passe sur un écran d'ordinateur, on n'a pas, de marge. Hein. On est bien d'accord. C'est uniquement sur mobile. Voilà, j'enregistre. Et puis on va voir ce que ça donne côté visiteur. Je renouvelle la page ici. En attendant, on passe. Hop. Voilà. A priori, c'est chargé. Alors, on a toujours notre bouton qui reste sur la gauche. Alors là, malheureusement, je pense que je n'aurai pas de solution parce que, comme je vous ai expliqué, ce n'est pas un bouton normal, mais c'est un widget. Alors, on va essayer de voir quand même ce que l'on peut faire. Donc, je reviens ici, modifier ces front-end. Largeur de colonne, il était à 100%. Alors, je vais essayer de voir le style. Couleur du texte, ombre du texte. Début d'instruction, champ. New bouton nom, add image bouton, modal. Voilà, c'est peut-être ici. Alors, qu'est-ce qui me met ici? Donc, on n'a pas de marche interne. Ah, il faudra peut-être que. Alors, je vais mettre en pause quelques instants, le temps de chercher, je me reprends aussitôt. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait, vous voyez, je suis dans les réglages, j'ai trouvé la, pour le bouton, donc c'est show in modal. Dans c'est une extension, pareil, c'est encore une autre extension, ACF Frontend Form, qui me permet de créer des formulaires de soumission en front-end, de modification en front-end, et malheureusement il ne permet pas de gérer donc l'affichage comme je le souhaite à ce niveau-là. Donc du coup on va faire machine arrière, c'est-à-dire qu'on va pas faire 100% de l'argent, on va revenir à 50-50. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mon icône de crayon ici. Donc ça, déjà, je peux le mettre à jour. Et donc, on revient ici au niveau de nos colonnes. Donc, modifier colonne. On repasse donc en mode mobile. On fait 50. On fait la même chose sur la suivante. 50. Voilà. Bon, faites pas attention ici, on voit un petit décalage. C'est normal puisque j'ai mis ma marge ici. Pour l'instant, je ne vais pas la supprimer parce que je vais vérifier. Parce que tout là, il y avait un petit décalage sur les deux boutons. Je vais voir si ça ne solutionnerait pas notre problème. Vous voyez, là, il y a un léger décalage sur nos boutons. Alors, sur ici, ordinateur, ça se voit légèrement, mais de mémoire, hop, ici ça va, on est en mode tablette, je vais le laisser charger, voilà, et on va passer donc en version mobile, voir ce que ça donne. Voilà, voici, il y en a un décalage. Donc, je vais la supprimer, ma marge interne. Ma marge tout court. Alors, la marge ici, on vient modifier bouton. Et par contre, c'est peut-être de la marge interne qu'il faudra mettre du coup à la place. Alors, donc, hop, je supprime.
Et donc, on va ajouter un petit peu de marge interne. On va mettre. On va y aller comme ça à tâtons. On devrait être pas trop mal. C'est pas une grosse différence. Voilà, tant que ta page se recharge, tout simplement, voilà, je pense que vous avez compris la façon de travailler. Vous voyez, là, c'est pareil. On a, donc là, c'est notre fameux texte sur trois colonnes. À chaque fois que vous voyez un petit écran comme cela, vous pouvez cliquer dessus. Vous cliquez sur le type d'écran sur lequel vous voulez travailler. Et vous voyez, vous faites vos réglages. Et ça vous permet donc de gérer le côté responsive de votre site. Donc, je vérifie, c'est bon. Bon, il y a une légère différence, mais c'est pas, ça ne jure pas. Voilà. Et là, on a retrouvé, vous voyez, c'est quand même mieux. Bon, il faudrait, je pense, encore ajouter un petit peu de marge interne à ce niveau-là, ou jouer sur la taille du texte, peut-être. Le texte est un peu plus grand ici. Bref, je ne vais pas vous monopoliser plus longtemps. Je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement. Pensez donc à regarder toujours si on trouve ces icônes pour gérer le responsive. Et maintenant, vous devriez pouvoir faire des sites qui s'affichent de façon optimale sur la plupart des écrans. N'oubliez pas le petit pouce en l'air sous la vidéo. N'oubliez pas de regarder dans la description de la vidéo. Il peut y avoir des informations intéressantes. Et bah, si vous avez l'intention d'acheter, que ce soit un hébergement, que ce soit un thème premium, une ou plusieurs extensions premium, que cela concerne Elementor ou pas, pensez à aller voir dans la liste des liens affiliés que je vous propose ici. Ça peut être un bon moyen, encore une fois, de me remercier et de me permettre de toujours consacrer plus de temps pour vous créer de nouveaux tutos. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.